Et bonjour, bonjour à tous, bonjour aux passionnés de tai chi, aux passionnés de gymnastique et de bien-être du matin avec nos possibilités corporelles. Ce matin, oh, c'est la neige, on a une nuit, oh, il fait bien froid, il y a des stalactites qui tombent sur les caravanes, là, c'est très 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 beau, magnifique. Voilà. Alors, pour commencer ce matin, on va se concentrer sur ce que je vais appeler le transfert du poids. Le transfert du poids, c'est quelque chose qui est important parce qu'on doit pouvoir sans arrêt transférer le poids d'une jambe à l'autre. Pas fini mon café ce matin, donc je le finis avec vous en expliquant un petit peu, toujours un tout petit peu de théorie avant de commencer, c'est bien. Le transfert du poids, c'est ce qui va faire la montée, la descente, la montée et la descente. Pour pouvoir faire la descente, il faut pouvoir transférer le poids sur la jambe. Ce qu'on appelle descendre sur la jambe d'appui, qu'elle peut être en avant ou en arrière. Et du moment où le poids descend sur la jambe d'appui, il y a tout un mouvement avec le bassin pour accompagner, y compris donc inspiration, expiration. C'est pour ça que on va un petit peu travailler les montées et les descentes avec le transfert du poids. Je vais me mettre en place et puis on va commencer à faire les explications du transfert de poids d'une jambe à l'autre. Le transfert qui se fait d'une jambe à l'autre, c'est ce qu'on a vu quand on fait comme ça, quand on descend sur une jambe. On va le mettre ici, à partir du. Ici, là, c'est bien. On peut même faire encore un peu comme ça. Oh, c'est là que ça commence. Voilà, là, c'est bien comme ça. Le transfert du poids d'une jambe à l'autre se fait sur la descente. Et comme toujours la fameuse attraction terrestre qui vous tire vers le bas, c'est pour ça que lorsque vous descendez, il faut plutôt retenir sur la jambe quand vous descendez. Il faut pousser avec la jambe laquelle on est descendu. Il y a une rotation du bassin. Le bassin se trouve entre les deux pieds, donc au milieu de l'axe. Et ensuite, on fait la descente. Là, il y a une poussée, transfert du poids avec le bassin, descente sur la jambe d'appui. Une poussée, transfert du poids avec une petite rotation du bassin et une descente qui se fait sur la jambe gauche. Je peux vous dire que j'ai des genoux qui craquent maintenant. Oh. Donc le transfert du poids. Le transfert du poids, c'est la chose que l'on va regarder ce matin et que je vais décrire en faisant l'enchaînement. Je me fais l'enchaînement, puis je me décris l'enchaînement. Je vais décrire l'enchaînement, les montées et les descentes. Et quand il y a une montée, enfin dès qu'il y a un changement de poids,
je vais me le signaler. Lorsqu'on est au commencement, on descend bien le poids sur les deux jambes. Lors de la poussée, on est le poids identique sur les deux jambes. Justement, c'est ce premier mouvement de la poussée qui vous permet de répartir le poids 50-50 sur chaque jambe. Sachant que maintenant, c'est sur la descente, que l'on va freiner, que le pied va tourner. Oh, bonjour le top, comment vas-tu? Alors je vais dire bonjour au top. Salut le top. Ce matin, on va s'amuser à transférer le poids d'une jambe à l'autre. Et tu verras, c'est super sympa parce que tu peux le faire, et puis c'est ce que je vais faire, tu vas le faire appuyé. Donc ce matin, il n'y a pas la chaise. La chaise, je l'ai mise de côté. La chaise, elle est là, on la met de côté. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est de l'appui de la table. Un bon appui, comme ça. Voilà. Et on va s'amuser à transférer, donc, durant le début de l'enchaînement, à transférer le poids d'une jambe à l'autre. Et le tout, justement, c'est pas de faire, de forcer la chose, c'est juste le ressenti de où va le poids dans les jambes et dans les pieds. Là, on est 50-50. Forcément, pour faire ce geste-là avec le pied, pour tourner le pied au premier mouvement, on va donc descendre sur la jambe et faire tourner le pied. Là, le poids, il est 100% sur la jambe d'appui gauche. Maintenant, le but, c'est de pousser avec la jambe gauche, de sentir que la rotation du bassin fait tourner le pied. Tu vois le mouvement comme ça? Tu descends sur le genou gauche. C'est accompagné par une rotation du bassin. Et c'est la rotation du bassin qui va faire tourner le pied droit sur le talon. Et ça, c'est intéressant comme mouvement, puisque c'est le premier mouvement de départ. Bien appuyé à la contre. Hein. Attends, pour faire un petit peu comme ça. Salut Ted, comment vas-tu? On y est pour les... Ah, je vais me mettre là, ouais. C'est à cause du cadrage, c'est un petit peu difficile, voilà. On est tout bon. Donc se mettre bien les mains appuyées là contre un rebord de table, et puis prendre la sensation. Vous lâchez. Lorsque vous poussez avec les deux jambes, vous avez le poids 50-50. Comme on verrouille jamais les genoux, maintenant, on lâche le genou gauche et la rotation du bassin fait tourner le talon, le pied sur le talon. Voilà. C'est ça l'exercice à avoir. Ici, position de départ. On le lâche avec le genou gauche et ça tourne. On pousse avec la jambe gauche, le pied revient. Bien sûr, même chose de l'autre côté. Ça fait tourner le pied, on pousse, ça ramène le pied.
Voilà, on détend un petit peu les genoux. Et on recommence. On descend sur la jambe gauche. On pousse la jambe gauche, ça pose le pied. On lâche la jambe, le genou gauche, ça soulève le pied. On pousse avec la jambe. On met le poids sur la jambe droite. Et ça fait tourner le pied gauche. Voilà l'exercice en entier. On recommence. Et c'est terminé. Ça, c'est un bon exercice de départ. Une marche sur tapis de marche. Ah, mais très bien, Paul. Bonjour. Rebonjour, Ted. Je te passe ton petit message. Alors, je vais tenir compte pour la suite des exercices. Donc, notre ami Ted, lui, il a couru sur un tapis roulant, là, ses tapis de marche. Il est bien chaud, puis maintenant, il a envie de venir s'assouplir un petit peu. Vous avez compris? Le transfert du poids, d'un côté, on pousse, de l'autre. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est pour ça que maintenant je rentre un petit peu dans les détails. Ce qu'on a vu, lorsqu'on met donc le pied comme ceci, c'est que là, vous avez tourné le pied droit sur le talon. Donc, on est donc bien où on va, où on change le poids, mais lorsque l'on fait la poussée, vous avez le choix, soit vous avez la pointe du pied qui se lève et qui tourne, ou alors, dans la deuxième possibilité, vous avez donc le talon qui se soulève, et ensuite, avec la pointe des pieds, vous pouvez faire une poussée. Je reprends, on peut donc soit tourner sur le talon, ou alors faire la fameuse poussée, on va pousser avec les orteils, c'est-à-dire comme ceci, vous êtes sur les orteils et vous faites le même mouvement, et ainsi vous tournez. Évidemment, il y a tout un travail avec les genoux, hein. Là. Maintenant, même chose avec le pied gauche. On descend, on pousse, et sur la descente, on pousse avec la pointe et on pose le talon. Là, on tourne et on redescend. Pousse et on redescend. On pousse. Et on redescend, on pousse, et on redescend. Les genoux sont chauds, ben c'est impeccable. Parce que au Tai Chi, malgré les apparences, ce qui fonctionne le plus au niveau... on va dire centimètres de déplacement de tout l'enchaînement, c'est quand même les genoux. Parce que c'est les genoux qui prennent le plus dans le... Puisqu'on n'est jamais, on ne verrouille jamais les genoux, ni d'un côté, ni forcément de l'autre. On a tous une limitation quand on les descend. J'en reviens à mes pas.
Pour commencer, donc, pied gauche, pied droit, on est d'accord. Une fois que vous avez fait le pas, puis là, donc là, vous avez fait le tourner sur le talon, comme on vient de le voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, forcément, le pied gauche qui va suivre, ce qui me donne l'idée de vous raconter ça, de vous expliquer ça comme ça, c'est qu'hier, avec Jacqueline, à l'extérieur, on a regardé les pas, puis à un moment donné, elle savait, il y avait une jambe, elle ne savait plus où la placer. Puis je me suis dit, tiens, ça, je vais le retenir. Le genou craque. Ben ouais, forcément, le top. Regarde. Ben bien sûr, je te le mets juste pour que tout le monde comprenne. Les genoux craquent. Ben en fait, tu vois, Jacqueline, je suis dans le sujet ce matin. Quand je parle du transfert du poids, forcément, c'est tous les genoux qui amortissent. Donc, c'est le but, c'est surtout de ne pas se faire mal. Dès que ça craque, on arrête. Et si ça a craqué, c'est que vous devez revenir. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement, le moment de tension dans le mouvement. Dès que ça fait crac, ou dès que vous avez l'épaule qui fait crac, ou bien un muscle qui fait là, on arrête. Et on part dans l'autre sens où on est en position plus agréable. Revenons à nos moutons. Le pied droit au départ, il tourne sur le talon. Lorsque vous avez fait le pas, c'est là où vous retrouvez à l'inverse avec le pied gauche, c'est-à-dire que c'est le talon qui décolle et il tombe sur la pointe. C'est l'exercice qu'on vient de voir tout à l'heure. Oup. Allez, tous à vos genoux, les amis. On reprend dès le départ. Ce qui compte, donc, c'est le déplacement du corps avec la poussée qui va déplacer le poids du corps. La poussée se fait avec les orteils, cette moitié-là du pied, la poussée. Pied gauche. Ça, c'est excellent pour détendre les orteils. Et n'oubliez pas que ce mouvement-là, le pied ne rentre pas en action. Ce mouvement-là, où vous pliez les orteils, il est initié par le genou. C'est le genou qui part en avant, qui à un moment donné, vous allez voir, va faire décoller le talon. Et dès que vous sentez que le talon décolle, c'est là que vous avez droit à faire la poussée. On détaille bien les sensations et les ressentis qui chaque fois donnent le départ pour le mouvement d'après. En fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, la boule d'énergie, c'est à quelque part le poids du corps qui se déplace et de sentir ce changement de poids d'une jambe à l'autre dont la rondeur vous donne justement ce sentiment de maîtriser un flux d'énergie à l'intérieur de vous. Donc maintenant, on reprend la descente, le poids chacun d'un côté. Et comment on va faire déjà le pied droit? Il tourne et il va se mettre à l'ouest. On pousse avec la jambe gauche. Ça investit. On commence à sentir que le poids arrive dans le pied droit. Et c'est là maintenant la sensation. C'est en descendant sur le pied, avec le bassin, ça fait donc tourner le pied gauche sur le talon. Et là, on est tout en bas. Hein. C'est pour ça que maintenant, il y a la poussée. Donc, tout le poids qui est en bas sur la jambe droite, maintenant, il faut le remonter si on veut préparer la prochaine descente. Et c'est sur la montée que le pied avance. Maintenant, le poids, puisque c'est le sujet, va descendre sur la jambe droite. Pour descendre le poids sur la jambe droite, c'est facile. Il n'y a qu'à tourner le bassin à droite en pliant le genou. Et ça pose le pied. Le pied gauche va direction sud-ouest. Et vous arrivez à parer. À
Ainsi donc, au départ, le pied droit sur le talon, et ensuite le pied gauche, quand le talon décolle, tourne sur la pointe et il avance. C'est la grande différence entre le tai chi et le qigong. Le qigong, lui, il est extrêmement fixe. Il ne bouge pas, le qigong. C'est statique, on va dire. Alors qu'avec le tai chi, dès le premier mouvement, vous êtes obligé de faire un pas. Et ce pas-là, on vient de le voir en détail. Après, on peut continuer d'avancer. Ce que je voulais venir mettre en détail là-dedans, c'est que c'est important de voir où va le transfert du poids d'une jambe à l'autre. Parce que une fois que le poids est sur une jambe, vous êtes obligé de faire une poussée pour remonter, parce qu'on ne peut pas aller plus bas. Faites la poussée, vous remontez, montez. Puis à un moment donné, vous êtes obligé de lâcher l'autre genou pour redescendre. Et on est bien d'accord, c'est là où ça devient intéressant, c'est que lorsque vous poussez, vous êtes en montée, on va faire comme ça. Lorsque vous poussez, vous êtes en montée, et maintenant, c'est ça le petit cran, c'est que pour descendre sur l'autre jambe, il faut juste tourner le bassin. Et on se rend compte que c'est dans cette petite fraction de seconde où le bassin donne l'impulsion que là, vous êtes pile poil sur la jambe gauche et c'est fini la poussée. Là, c'est l'effort. Petite rotation du bassin et... on descend sur la jambe gauche. N'est-ce pas? Et pour cela, on est, pour ceux qui connaissent, au pas de l'arc. Le fameux pas de l'arc. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le pas de l'arc, là. Ligne droite, et ici, à 45 degrés. Donc, toujours... pas de l'arc. Et c'est là où on va passer dans le pas de l'arc, le déplacement du corps, du poids du corps, avec une poussée et une relâchée. Une poussée, une relâchée. Bien les genoux, hein? Allez, on le refait. La position de départ sur ce coup-là, c'est quasiment tout le poids sur la jambe avant gauche. Ah, vous tenez comme moi. Je vais vous dire où est la limite. C'est pour ça que je vous fais faire l'exercice. La limite, quand vous descendez sur la jambe gauche, c'est que essayez d'imaginer que maintenant, votre gros orteil, il est vissé dans le sol, là. Il n'y a que le gros orteil qui est vissé. C'est la dernière partie du pied qui va décoller, ce sera le gros orteil. C'est très important de se le mettre dans la tête, parce que lorsque vous descendez, pour sentir la limite, c'est quand le talon commence à décoller. Et puis pour sentir que le talon décolle, il faut maintenir le gros orteil bien vissé en terre. Et dès que vous sentez le talon qui se décolle, c'est maintenant que vous vous amusez à tourner votre bassin sur la droite. Donc vous voyez, on est le genou gauche plié, juste de tourner le bassin. Ça fait tourner le pied droit sur le gros orteil. Le seul,
le seul effort que je fais, c'est de maintenir mon gros orteil vissé dans le sol. Et vous avez ainsi ce mouvement qui part du bassin. Voilà, entraînez-vous à sentir que c'est le bassin qui fait tourner, qui fait un, décoller le talon, et deux, il vient le placer dans quel axe? Ce pied-là, s'il décolle, c'est pour avancer. Donc, du moment que ce pied-là a décollé, il va donc passer devant celui-ci. Donc là, on est à l'ouest, hein, pour aller faire les quatre forces. Il va passer devant, là, pour ensuite se mettre à 45 degrés. Pas exactement dans le cas de. Mais c'est bon. Ce qui compte, c'est le déplacement du poids et que on va après faire un pas, puis un deuxième pas. Ce qui veut dire que dans le cas de la marche, on reprend, on descend sur la jambe gauche. Le bassin tourne, ça fait décoller le pied, le talon du pied droit. Vous avancez sur la montée le pied et arrivé là, il suffit de nouveau tourner le bassin et vous avez le pied dans la bonne direction. On fait la même chose. Hop, hop, on avance, tournez et posez. Elle finit avec tes bâtons. Micro-pause pour ping. Ouais, c'est les 27, c'est bien, c'est la nuit. Extra. Je peux venir finir mon café, il est encore tiède. Merci. Oh, c'est gentil, le top. C'est gentil. Ah ouais, les petits exercices pour les genoux, comme ça. Déjà, prendre conscience. Attends. Prendre conscience qu'on a mal. Ce qui veut dire qu'après, il y a des gestes que tu ne fais plus avec ton genou. Tu vas dire, oh, attention dans cette position. Dans cette position, ça craque. Alors, j'ai une autre manière de. Il y a une autre manière de faire un mouvement. Que si tu ne peux pas le faire avec la main droite au tai chi, parce que par exemple, tu as l'épaule qui va bien, c'est le genou gauche. D'accord. C'est le genou gauche. Je m'en souviendrai quand on fera les exercices pour ton genou gauche. Donc en fait, si j'ai bien compris pour toi, si on prend, donc ta faiblesse, c'est le genou gauche, ça va bien, maintenant que je le sais. Donc en fait, pour toi, descendre comme ça, sur le pied, sur la jambe droite, ça va. Pousser avec la jambe droite jusqu'en haut, avec le bassin, pousser avec la jambe droite, ça va. Descendre, et c'est sur la descente de la du c'est sur la descente que tu as ton genou qui craque, ou alors c'est quand tu dois faire la poussée pour la montée. Parce que si c'est sur la descente, c'est le moins grave. Mais si c'est sur la montée, là, il va falloir savoir où c'est que ça craque. Hein. Oh putain, la réponse. Ça les deux. À la montée et à la descente. Bon. Alors, une chose, fais travailler ton. Ah oui, ça craque sévère. Hein. Ah ouais. Alors, justement, moi, je peux que te conseiller justement de ne pas forcer, de descendre tranquillement,
remonter. Et puis, si c'est sur une montée, appuie-toi un peu plus sur la jambe droite, si elle est bien, pour soulager la jambe gauche. Et que si tu dois faire rien que le premier pas, qui est celui de descendre sur la jambe gauche et repousser, celui-là, là, le genou gauche se soulage. Là, c'est toujours le genou droit qui ramasse. Et c'est uniquement là. Et donc, c'est quand on arrive à parer, hein, le top, parer. Donc, si j'ai bien compris, tu vois, on arrive ici à parer, on est sur le genou gauche. Là, ça craque sévère quand tu dois descendre sur le genou gauche, pousser avec le genou gauche pour avancer le pied droit, et ensuite redescendre sur le genou gauche pour repousser avec le genou gauche pour arriver aux quatre forces. Il n'y a pas le bon côté qui craque, hein. Allez, viens, on va faire le ballon. Allez, viens, on va faire le ballon. On laisse tranquille les genoux, on a vu les pas. On a assez travaillé les jambes. Maintenant, on va travailler un petit peu les bras. Alors justement, avec le tai chi, en exécutant les mouvements, je t'assure qu'on peut se sentir léger. Ah, je ne l'ai jamais fait celui-là. Parce que justement, pourquoi il m'est revenu en tête, là, aux minutes, c'est que justement, là, aujourd'hui, on travaille le transfert du poids d'une jambe à l'autre. Et là, on est bien assis sur la jambe droite. L'idée, c'est que pour bien s'asseoir sur la jambe, vous devez faire une légère bascule comme ça du bassin. Ensuite, quand on est bien sur la jambe, on refait les bras tout de suite. Hein. On pousse, on est haut, et on redescend. Et on fait attention au genou, que ce genou-là ne parte pas à l'intérieur. On était au bras. L'idée ici, c'est que vous poussez avec la paume, et en poussant avec la paume, vos doigts montent vers le ciel. C'est parce que quand les doigts crochus, c'est pas bon. Faut avoir les doigts. Là, on pousse avec la paume. Les mains s'en vont. Elles reviennent. On tourne. Et on met le ballon. Là, je suis toujours en appui sur la jambe droite. On est d'accord. Voilà. On refait. Petit coup avec le bassin, on pousse avec la jambe droite et on atterrit sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche, petite rotation du bassin. Il fallait partir du mauvais côté, hein. Bien en appui sur la jambe avant. On pousse. Et ça revient. Maintenant, on peut descendre. Là, on fait travailler la jambe droite. Hein. Tu as bien compris le top. Hein. On ne travaille pas la jambe gauche, on appuie sur la jambe droite. La preuve, c'est que je peux... La preuve quand on est bien, c'est que quand on est bien sur la jambe
jambe d'appui. Tu dois pouvoir, en appuyant avec le gros orteil, soulever le talon. En appuyant sur le gros orteil, tu arrives à sentir si le talon décolle ou pas. Dès que le talon peut décoller, c'est qu'il y a assez de poids sur la jambe droite. On prend le ballon et c'est en mettant le ballon au fond de la piscine qu'on fait le même mouvement. Voilà, là, le ballon est au fond. Les bras vont devant. On les fait revenir en partant sur la jambe. On pousse. On fait revenir, les poignets tournent. On prend la balle et on la met une fois au menton. On descend sur la jambe avant. Les mains montent. Et on repousse. C'est le travail des mains. Bon, ça va, je m'amuse, hein. Oh, ma première spectatrice, c'est Jacqueline. Pur, ça la fait rire. Mais elle s'amuse, elle a sourire jusque là. Moi, je fais le guignol, bien, elle s'amuse. T'as vu, j'ai qu'à faire des conneries, là. Puis elle rigole. Eh ben, un petit peu d'eau. Bonjour Guigui. Heureusement, il y aura le replay. Hein. Alors moi, j'hésite à vous mettre un truc. Alors, je bois un tout petit peu d'eau. Hein. Là, je me prends 30 secondes pour récupérer un peu.
Mais vous avez fait une petite démonstration. Mais vous avez fait une petite démonstration. Alors, ouais, c'est ça que je voulais vous mettre. Ah non, parce qu'avec Pimi, on fait tout, hein. Avec Pimi, on fait tout. On fait de... S'il faut, on fait de l'anatomie. Voilà. C'est moi qui vais vous le dire. Vous voyez, tout ce qui travaille, là. L'articulation. L'articulation à gauche, le bassin, le col de fémur, le tibia, le péroné. Hop, les rotations du bassin, elles sont là. À l'intérieur, vous avez encore les muscles, là. Ouh là là, ceux-là, on les tord dans tous les sens, ceux-là. Et là, vous avez donc l'artère fémorale. Et voilà, donc cette partie-là est super, super, super importante avec les tendons, bien sûr, qui ont une rotation limitée dans un sens, puis un petit peu... Ah là, c'est très limité. Voilà, et puis on peut voir les effets. Donc en fait, nous, au Tai Chi, on joue avec cette articulation. À gauche, à droite, voilà, vous avez tout compris comment on fait. Et on essaie de coordonner ces mouvements qui s'appellent, ça c'est une torsion, et vous avez les tensions. Voilà, ça c'est une tension. Et puis autrement, vous avez la torsion. Ah, la torsion, alors celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal. L'autre, aïe, aïe, celle-là, là, 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 celle-là, j'y arrive pas. Gna gna gna, hein, vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Fait peur, hein? Non, mais c'est ça de prendre conscience de ce... Quand je dis son schéma corporel, on a tous nos limitations. Et moi, pour ça que je suis très renseigné sur la partie artère, fémorale et tout ça, parce qu'effectivement, bah autrement, il y a aussi celle-là, je crois. Hein. C'est pas le même, celui-là. Ouais, ça, c'est pas le même. Puisqu'on est entre potes, je vous le mets aussi. Comme ça, vous aurez vu les deux. Et puis nous, c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça c'est le fameux bassin avec le coccyx. Et donc, quand on doit faire une bascule du bassin, c'est là où ça devient difficile. Parce que vous la voyez, la bascule, là, elle est toute petite, la bascule, là. Ça fait une toute petite bascule. C'est pas grand-chose, mais... Cette rotation-là du bassin n'a rien à voir avec, comme vous pouvez le voir en bas, là où il y avait donc le col de fémur avec. Là, c'est vraiment les hanches et le bassin. Et justement, vous avez tous ces ligaments qui sont bien plus petits que ceux qui sont du col du fémur. Les rotations sont bien plus faibles. Quand je vous parle du schéma corporel, c'est-à-dire arriver à fermer les yeux et à vous dire, voilà. Quand je bascule mon bassin, je fais fonctionner tel ou tel muscle ou articulation. Et plus vous prenez conscience de votre schéma corporel, de vos limitations, de vos restrictions, mais que mentalement, vous savez que c'est ce muscle-là ou ce muscle-là que vous allez travailler. Et c'est ce que fait le Tai Chi dans les différentes figures. Lorsque vous avez terminé l'enchaînement, je vous garantis, il n'y a pas un muscle qu'ils ont oublié. Ah ouais, hein? Ah, c'est toute une sacrée. C'est tout un mécanisme, hein? Bonjour, Rokusai. Ah oui, ben on a, ben dans une minute, je clôture le live. Et puis, ben voilà, la minute étant presque passée. Voilà, donc aujourd'hui, je vais intituler cette petite capsule Tai Chi Transfert du poids et travail des poussées. Petite poussée. Voilà, justement, je vais profiter de mettre cette capsule de ce matin sur le YouTube
N'hésitez pas à aller voir les replays, c'est toujours intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que quand il me faut environ 3 quarts d'heure pour remettre sur YouTube, et puis après, avec Jacqueline, on se fait la petite correction, des fois on se marre bien. Donc, si vous voulez venir, on est avec le chat. Je fais une petite dédicace pour terminer à Eagle White. Et puis, allez voir son site. Lui, il est passionné de pêche. Donc, c'est Eagle White Fishing, je crois. Donc, impeccable. C'est un fidèle visionneur du replay. Alors, je vous conseille d'en faire de même. Merci à tous ceux qui mettent des post-it et qui ont compris quelle importance je donne à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon appétit, et puis aimez-vous les uns les autres, et à tout à l'heure sur d'autres réseaux. Allez, on vous embrasse avec Jacqueline. Bonne journée, à plus tard. Bon appétit.